Mon direct est gâté. Oh. Oh, le direct est gâté. Je sais pas, mon direct est gâté. Nya, bébé. Ah, moi, nya. Tu comprends? Donc, je lui ai dit. Ah, shit. Get. Ah, moi, nya. Le direct est gâté. Bon, on va le faire en deux temps. C'est pas grave. C'est difficile de récupérer le monde. Bon. Oh, skate. Vous me voyez là? Ah, la vache. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Ah, j'ai perdu mon monde. C'est pas grave, là, on va faire. Donc, c'est ça. Je lui ai dit. J'ai dit, mais tu peux pas. Tu peux pas abandonner quelqu'un parce que. Ça dit. En tout cas, moi, tout ce que je lui ai dit, je lui ai dit que ces enfants-là, oui, je vais les appeler les enfants. Ces jeunes-là, ils sont chez toi. Ils ont du respect pour toi. Ils prennent soin. Ils arrangent tout et tout, tout et tout. C'est vrai, vous avez une servante. J'ai demandé, est-ce que la fille ne s'implique pas? Elle a dit si. Depuis que j'ai marié ce monsieur, ses parents, j'ai dit, mais tu n'as pas dit au monsieur de chasser ses frères de la maison. Parce que toi, aujourd'hui, tu es venu. Comment tu veux que cette... Après, oh, Niambéi, mon téléphone est déchargé. Ah, Lourou aussi, lui, le truc qu'il a payé, là, moi, ça ne m'arrange pas. Hein. Papa, ah, voici mon direct qui est en bizarre ici. Ah, Mettez les cœurs. En fait, le truc n'est pas bien. J'ai acheté un truc. Il dit qu'il a acheté un truc pour m'arranger, mais. Oh, c'était coupé, ouais. C'était coupé, c'était intéressant. Vous voyez, je cherche à replacer. Parce que je n'aime pas comment c'est placé là. Oh, mais. On va bien placer. Eh, hey, merci beaucoup. Ah, coulé là. Depuis que le téléphone est déchargé, là, ça agite ça. Je vais me mettre ici. Est-ce que ça va? Ça vous va comme ça? Ouais, c'était coupé. C'était coupé, on était près de 500 personnes là, ça. Oh, mais. Oui, c'est ça. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit que après, si ça va là, dites-le moi. En fait, c'est pas que j'étais déchargé, il fallait charger et puis c'est comme ça que ça a coupé. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit après, vous trouvez que non, la belle famille ne m'aime pas, mais il faut imaginer cette belle famille là. J'ai me pencher comme sous les déparis. Cette belle famille-là, tu as marié leur fils s'occupait d'eux, leur fils s'occupait du père, de la mère, et puis de ses frères. Oui, c'est vrai, quand on est marié là, c'est sûr qu'on est avec, une famille, surtout qu'il y a un bébé qui s'en vient, tu comprends? Mais cette belle famille ne fait pas en sorte qu'une belle famille te déteste. Moi, je le dis, c'est pour ça que mes impactés, moi, je suis fier de vous, parce que vous comprenez l'impacteuse, hein? Comme m'envoie des gens, nous on s'en fout de tout ce qu'on dit sur toi, sur les pages. Nous on comprend ce que tu dis. Donc, mon impacteuse, moi je t'aime. Il y a une qui m'a dit si elle t'aime pas, il y a des piments. C'est ça. Donc, ça dit que je passe un message aussi clair. Mais tu es venu marier mon fils, que j'ai mis à l'école. J'ai tout fait pour lui. Oui, hein. Toi tu étais douanière ou bien tu es quoi là-bas. Mais mon fils là, c'est pas toi qui l'as mis à l'école. Et puis tu es venu marier ce fils là. Tout de suite là, partagez le direct mes personnes pour que des gens comprennent. Partagez s'il vous plaît, mes personnes. Vous savez que une mauvaise manipulation a fait que bon. Mettez-vous à la place de ces mamans là.
Mettez-vous à la place de ces mamans-là qui ont leur garçon. Il ne t'avait pas encore marié. Oui, c'est vrai, avec les autres femmes, ça n'a pas marché. Toi, il t'a vu tout et tout au bout d'un an et demi déjà. Vous êtes mariés. Ok, c'est fine. Mais tu ne peux pas marier cet homme-là tout de suite. Et puis toi, tu as imposé tes règles. Il y a des femmes, quand ils ont mis l'alliance au doigt, là, c'est fini. Les hommes non plus, ça dit le lien qu'il a avec... Laissez les espaces avec les hommes quand vous mariez leurs enfants. Laissez l'espace. L'espace qu'il avait avec sa mère. Si lui, il aime aller rendre visite les dimanches à sa maman. Si lui, si toi, tu sais que ce dimanche-là, il n'y a rien de prévu. Mais tu lui laisses son dimanche avec sa maman. Mais vous mariez les hommes, vous voulez tout changer. Vous comprenez? Ça ne se fait pas. On ne marie pas un homme et puis du coup, là... Toutes les, ça dit, oui, c'est ça, oui, c'est ça. Vous mariez un homme tout de suite là, on savoir. Quand tu as marié un homme là, oui, c'est vrai, il est un homme marié avec les amis, tout et tout, les affaires d'alcool à gauche, à droite, oui. C'est sûr qu'il faut que ses amis sachent que, ah, désormais, il est marié et sa femme n'aime pas ça. Ça, c'est correct là, vous comprenez? Mais ce qui n'est pas correct là, c'est quand vous mariez les hommes et puis au niveau de la famille. Vous pouvez marier, vous pouvez comprendre que moi comme ça, là, hein, mon tempérament, comment les gens me voient sur les réseaux sociaux. Je vous ai déjà dit, moi, je me couche en bas de ma belle-mère. Hmm? Ma belle-mère, je me couche en bas de toi. Maman, je me couche en bas de toi, il la gare. Pas moi, mais c'est que maman n'est pas facile. Donc si maman n'est pas facile, là, c'est ma belle-mère, il n'y a pas. Il y a tes délais. Il y a tu fais quand tu as venu dans mon camp ici. Tu as quitté le camp de ton fils même pour venir dans mon camp. Mais vous mariez les belles-mères, pour vous marier, tout et tout, oui. Tata, il donne à sa maman, mais il n'a qu'à donner à sa maman. Si tu veux, là, assure toutes les chats, donne à ta maman. Je m'en fous, c'est pas mon problème pas à toutes. Vous comprenez? Moi, je suis une femme. C'est la réalité. Je vous dis les vraies choses de la vie. On pense souvent que non, les Occidentaux, tata, non, non, non. Moi, j'ai dit que je travaille hein, des familles, ça dit que de l'Occident. Donc, je connais, je jase avec eux. Quand ils viennent, j'ai au moins, il y a d'autres, mais souvent, il y a 30 minutes de jasette avec eux. Il m'explique, ah oui, cette semaine on a reçu la belle-mère. Oh Monique, les blancs ont une expression, hein, quand on reçoit la belle famille, on marche sur des œufs. Pourquoi ils disent ça? Quand on reçoit la belle famille, on marche sur des œufs. Ça veut dire que tu dois faire ce que ta belle famille aime pour leur plaire. Quand on t'a éduqué, foyer où on t'a donné l'éducation de base même, là, j'ai dit que partage le direct, mes personnes. Partage le direct. Voyez où on t'a éduqué. Tu as dit tes parents même t'ont donné une éducation de base déjà là. Tu sais comment tu apprends la belle-mère? Moi j'ai dit que l'homme doit entretenir sa mère. J'ai tout dit que tu as l'homme là, tu dois prendre soin de ta maman. Pas moi pour envoyer à ma maman, il ne demande pas ton avis. Hein? Il prend le téléphone et puis il parle à haute voix. Maman, tu as reçu? Elle dit oui. Ah d'accord. Là les bénédictions ça finit pas. Elle dit bon, moi je te laisse. Je voulais juste m'assurer que tu as reçu. C'est tout. L'homme, tu dois être comme ça dans la maison. Quelle que soit la femme que tu as mariée, pour envoyer là à ta femme, à ta maman, tu as te caché. Il y a déjà dit ça. Donc, vous comprenez. Mais ces jeunes-là, pour revenir au sujet de notre soeur, comme je lui ai dit, ces jeunes te respectent dans la maison. Ils font tout ce que tu veux. D'ailleurs, ça y est, les familles africaines, là, quand ils voient que la femme de leur soeur travaille, là, ils ne peuvent pas te manquer de respect. Maman, tu travailles, ils ne vont pas te manquer de respect. Oh. C'est les gouniafis en bas des manioc ou bien quoi, tu ne travailles pas là. C'est toi, on manque de respect. Sinon, quand tu travailles, qui va te manquer de respect? On ne te manque pas. Surtout que tu as essayé d'analyser. Peut-être qu'elle pensait, elle a dû l'impacter vraiment. Vraiment, je vois que tu es vrai. J'ai dit, mais je ne peux pas te dire, chasse tes beaux. C'est-à-dire que ces jeunes qui sont à la maison, chasse-les, tout et tout. Elle est chez son frère. Est-ce qu'elle rentre à des heures? Elle dit non, elle respecte. C'est que si elle est adulte, elle est un copain. J'ai dit, c'est tout à fait normal. Vous comprenez? Un homme a le devoir de s'occuper de ses parents. C'est ça. L'homme qui ne s'occupe pas de sa maman, qui ne s'occupe pas de son père. Mais tu ne vas pas mettre la faute sur la femme. Non. Et puis des hommes pour donner à leur femme, pour donner à leur maman, ils se cachent. Aïe. Toi, tu es quel genre de garçon? Toi, tu as des couilles, toi. Toi, un homme, tu as te caché de la femme qui ne t'a pas mis à l'école par toutes. Elle ne t'a pas mis à l'école. Tu comprends? Tu te caches d'elle pour donner à ta maman. Il y a des familles où l'homme donne et puis il dit non, faut pas ma femme va savoir. Vous comprenez? Merci beaucoup. Ça fait tout. C'est la réalité qui est là. Donc c'est ça. Un
aide ce monsieur là. Le conseil que je peux donner, aide ce monsieur. Moi c'est ça. C'est ça. Anthony Van Damme, c'est ça. Moi c'est ce qu'elle dit. Quand j'ai partais, j'avais connu mon mari au début, on disait que oh son affaire est difficile. Quand je suis partie, je me suis mise en bas d'elle. Matin, elle prenait, salut Wendy, t'es bébé Kongenge, celle qui s'occupait de moi tout le temps, les problèmes que je vous ai expliqués, que vous savez. Quelqu'un ne peut pas venir parler mal de moi, ma belle-mère. Elle s'en fout de ça, pas elle me connaît. Vous comprenez? Vous êtes souvent dans les foyers, pas de petits cadeaux à la, les belles. Il dit qu'on est dans un monde de matérialisme aujourd'hui. On est maman, oh, nos mamans même là, elles sont matérialistes. Les mamans, nos mamans même qui nous ont accouchés. Toi qui lui donnes l'assiette, on a la couche spéciale qu'elle fait, non? À plus forte raison, belle-mère. Comme dit ma belle-mère, là, moi, c'est toi, je connais. Les à côté, c'est celui qui vient de nulle part, je ne le connais pas, c'est toi, il connaît. Donc, peut-être comme ça, belle-mère, c'est la même chose. Parce que tu donnes à ta maman et puis elle fait ton atelakou et puis elle t'apprécie. C'est la même chose, la belle-mère. C'est les mêmes mamans, les mêmes vieilles, elle, leur mentalité, là. Donc, vous comprenez. Mais tu as marié son fils. Même pas un petit présent, même pas une petite attention à son égard. Mais comment elle va? Après demain, vous allez dire que non, ma belle famille n'est même pas. On peut ne pas. Il n'y a pas foyer où on vient au début et puis on t'aime tout d'un coup. Honore ton père et ta mère, tu seras béni. Depuis les États-Unis, merci beaucoup. C'est quel foyer où tu es arrivé tout de suite? Premier jour, tu es arrivé, ils vont faire une hypocrisie comme s'ils t'aiment. Mais demain, les critiques vont sortir sur toi. J'ai menti? Est-ce que j'ai menti? Est-ce que le volume est bon? Tous les mariages dans lesquels on est là, on a qu'à essayer de réviser un peu. Faisons un tour en arrière. Au début, tu as venu, on a applaudi, on a dressé le couvert pour toi. Mais derrière ça, ce que tu avais entendu, ça t'a dépassé. Mais c'est ça qui a empêché. Ça n'a pas empêché partout. Merci beaucoup. Je ne fais pas l'unanimité. Je ne vais pas faire l'unanimité sur les réseaux sociaux. Mais j'ai dit ma part. Aïe, petit cadeau, entretien, relation, Dani. Vous comprenez? Petit cadeau, entretien, relation. Mais aucun cadeau, pas à toutes. Il n'y a rien. Pas à toutes. Ça aussi, c'est collé sur moi. De... Imaginez-vous, tu répètes pas à toutes du matin. Pas du tout. Il y a quelqu'un qui m'a dit, pas du tout. Tu répètes ça du matin au soir. Ika. Et puis après, maintenant. Pas à toutes, c'est collé sur moi. Ika. C'est juste... Vous comprenez? Je travaille sur le mot là, mais ça passe pas. Je travaille dessus, mais bon, que voulez-vous? Vous comprenez? Donc tout ce que... Le conseil que j'ai donné à la soeur, c'est une petite soeur à 32 ans, c'est une petite soeur des petites soeurs en bas, ici. Il a dit, nous, on est les vieilles mères oh, de mariage. Donc ma chérie, le monsieur n'est pas mauvais. C'est sa famille à la main que sa famille. Sa famille à la main, sa famille assise sur toi. Sa famille n'est pas assise sur toi. La famille de mon mari à la maison, on n'est pas en Occident. Pour dire non, c'est en Occident, on dit on va vite anticiper son séjour, il va quitter ma maison. Mais là-bas, toi-même, tu as déjà dit son étudiant. Ils ne sont pas assis sur ta tête. On est gré, comme on dit en BT. Merci beaucoup, Aminata Faye, depuis Longueuil. Il n'est pas assis sur ta tête. Donc, quelqu'un qui n'est pas assis sur ta tête, des jeunes étudiants, que ton mari avait déjà dans cette petite maison. Oui. Parce que je lui ai posé la question. Est-ce qu'il vivait dans un petit studio? Et puis, quand vous êtes marié, il a pris ses frères et soeurs pour venir déposer devant toi. Bam, venir t'imposer ses frères. Elle dit non, l'imparteuse. Mais il n'habitait pas le même quartier. En ce moment, il habitait Yopougon. Trois chambres salon. Lui-même sa chambre, la chambre de sa soeur, plus la chambre de ses deux frères. Donc, c'est après qu'on a déménagé. Ah. Attends, qui je vais enlever là? Ok, merci beaucoup. Soyez malin. Quand vous venez en ce moment-là, laissez comme ça. Mais vous n'êtes pas assez intelligent. Vous venez à un commentaire, puis je te bloque, et puis bon, toi et moi, l'aventure est terminée. Vous comprenez? Donc, je lui ai dit que, mais, il a déjà ses frères dans sa maison.
Maintenant, comme toi, d'après toi, tu es une fille de boss. Oui, c'est pas d'après toi. Tu es une fille de boss, tout et tout. Elle m'a même donné la fonction de ses parents, tout et tout. La preuve, elle est l'avant-dernière de sa famille. Donc, ma chérie, dans votre milieu de boss là, il n'y a pas quelqu'un qui t'avait vu là-bas. Hein? Il n'y a pas quelqu'un qui t'avait marié là-bas. C'est lui qui t'avait marié. Il t'a marié. Il t'a honoré. Il te donne le respect. Oui, c'est vrai, il ne te fait pas les cadeaux. Mais garçon qui t'aime, qui te donne le respect, si tu lui dis, chérie, moi, je veux que au moins là, même si ce n'est pas chaque mois, chaque 2 mois, un petit cadeau, il va te faire. C'est clair. Peut-être qu'il n'a pas pris cette habitude-là. C'est comme les hommes qui, il a dit, souhaiter joyeux anniversaire à sa femme-là. Ce n'est pas maintenant où réseau social est venu là. Ce n'est pas là où on se rappelle qu'on va souhaiter joyeux anniversaire à son mari. Avant, là, qui se rappelle des joyeux anniversaires? Personne ne se rappelait des joyeux anniversaires partout. Ces réseaux sociaux maintenant, avec où et tout, et à gauche, à droite, bon, on se rappelle. Donc, ma chérie, ça, c'est pas grave. Même s'il ne te fait pas les petits cadeaux, pareil, il trouve que tu as un bon salaire, mais tu peux attirer son attention. Vous comprenez? Tu peux attirer son attention pour lui dire que, oui, c'est vrai, j'ai un salaire, mais tu es mon mari. J'aurais voulu des petits présents de ta part. Pas des trucs cherchés, aller payer des diamants ou bien des quoi. J'ai dit qu'il y a des diamantaires qui se sont séparés. Elles ont dit qu'elles étaient malheureuses dans le foyer. J'ai dit quoi? Diamantaire aussi. Ton mari est un diamantaire. Que tu étais malheureuse. Donc, ça veut dire que ce n'est pas l'argent forcément. Vous comprenez? Donc, on est dans du réel ici. On est dans les vraies choses. Les vraies choses, c'est que si tu penses que à un moment donné, tu cherches un mari, tout et tout, tu regardes dedans, tu vois quelqu'un qui a de belles valeurs, cet homme a de belles valeurs. Donc, tu ne peux pas chasser ses frères de la maison. On ne chasse pas les frères qu'on a trouvés quand on a marié quelqu'un. On ne chasse pas ces frères-là. Attends, où est-ce que vous enlevez ce cran-là pour faire ça? Il y a des femmes qui font ça. Non, tu ne peux pas faire ça. Tu comprends? Vous comprenez? On ne peut pas faire ça. La belle famille, là, c'est ça, il faut travailler. On travaille la relation à la belle famille. Ta belle famille n'est pas ton ennemi. Ta famille n'est pas nécessairement mieux que ta belle famille. On n'a qu'à dire la vérité. Ta famille, là, quand tu regardes dans ta famille aussi, là, c'est vrai, c'est ta famille. C'est pour toi, donc tu valorises ça, tu mets ça en hauteur. Mais est-ce que ta famille est nécessairement mieux que ta belle famille? Donc, pourquoi on va mépriser la belle famille des gens qui sont étudiants? C'est pas en Occident pour dire non, chasse-les. Excuse-moi, chasse-les de la maison, tout et tout. Non, on ne peut pas chasser quelqu'un d'une maison. Tu vas les mettre à la rue, tout et tout. Sa soeur qui était déjà sur le logis, bon, en classe de quoi, elle va se trouver. Non, ce n'est pas bon. Au contraire, aide-les. Il faut l'aider pour qu'ils puissent faire sortir un à un ses frères de la maison. Ah, comment on fait les gris-gras pour vos concours là-bas là? Tu vas l'aider. Toi, déjà, tu as déjà un bon salaire. Tu peux lui dire, ah, il faut qu'on aide ton frère là. Un peu. Et puis bon, ils vont aider les autres pour pouvoir les propulser hors de la maison. Mais pour dire tout de suite, mais déjà notre situation est déjà fragile depuis le début en Afrique. C'est déjà, si tu aimes ton mari, si tu aimes ton mari, tu dois aimer sa famille. Ça c'est clair. Tu aimes ton mari, tu dois aimer sa famille, tu dois respecter sa famille. Comment on fait pour aimer un homme et puis on déteste tous les membres d'une famille? Il y a des femmes, vous êtes mariées, mais vous détestez votre belle famille. Comment vous faites? C'est comme, j'ai fait une vidéo où j'ai dit, tu aimes un homme, l'enfant que ton mari a conçu dehors, tu n'es pas obligé de l'accepter chez toi. Pour l'accepter chez toi, là, ça prend une thérapie. Mais tu ne peux pas empêcher l'homme de s'en occuper. Il y a des milliers de femmes, il y a des femmes qui m'ont rejoint. C'est-à-dire des hommes qui ont tellement perçu ce message, c'est clair. Tu ne vas pas te créer des ennemis. Mais tu es douanier, oh, les douaniers là, il n'y a pas un douanier qui t'a marié là-bas. C'est l'informaticien là qui t'a marié. Donc respecte sa famille. Respectons les familles. Voilà, les hommes qui nous marient là, respectons leur famille. Respectons la belle famille. Déjà, ses frères et soeurs sont à la maison. Oui, c'est vrai. Des adultes là, c'est des gros mangeurs. C'est pas grave. Leurs frères travaillent aussi. Toi, tu travailles. Ensemble, vous mettez là. C'est pas grave. Demain là, ses enfants, si tu les prends bien là, demain, c'est eux aussi. Ils peuvent regarder tes neveux. Tes enfants là, ce sont ses enfants aussi. Donc, ils peuvent les regarder. Donc, on va pas tout de suite dire non. Comme moi, je suis d'une famille. Mais tu es d'une famille
où on mangeait à table, où on faisait quoi, mais tu n'as pas pris un homme qui mangeait à table comme toi là-bas. Tu as pris quelqu'un qui mangeait à la main. Donc, c'est ça, hein? Vous mariez des gens qui ne sont même pas de votre registre. Donc, à un moment donné, c'est à toi de t'ajuster. Hein? Tu mangeais à table, hein? Mais lui mangeait à la main. Mais tu as laissé où on mange à table là-bas, où on mange à table là-bas, on n'a pas rayé ton visage là-bas partout. Tu comprends? C'est où on mange à terre ici là. Tu as croisé le monsieur lors d'un petit colloque, tout et tout. C'est ça. Fatima, elle rit. Vous comprenez? Donc on n'a pas dit que non, les patins c'est difficile pour moi, même si c'est difficile pour toi. Il n'y a pas quelqu'un qui mange, où tu mangeais à table là-bas, il n'y a pas quelqu'un qui t'a regardé là-bas. Vous comprenez? Donc, moi, je suis là pour vous donner les conseils de vie. La vraie réalité. La réalité, c'est que tu maries un homme. Si l'homme est correct avec toi, tu restes correct avec lui et sa famille. Tu mangeais à table, tu as mangé avec, le Félix ou Onyen ou Feu Boigny ou bien quoi là-bas, Onyen ou Feu Boigny, protocole du Feu Boigny là-bas. Mais. On ne t'a pas regardé là-bas partout. C'est qui t'a regardé? Personne ne t'a regardé. Donc, partagez le direct, mes personnes. Merci beaucoup. Donc, c'est ça l'impacteuse. Le vendredi, je vais me donner du temps. Le vendredi, j'ai un message, c'est-à-dire qui va vous dépasser. Vendredi soir, connectez-vous. Causerie du samedi. Causerie, pardon, du... Ouais, les causeries du soir. Vendredi. Ah, mais c'est ça. Aïe. Dans mes oreilles, l'impacteuse. Non, moi, on mangeait à table. Et puis, tu mangeais à table, et puis quoi? Nous, on mangeait en groupe, hein, à Dalois là-bas. On mangeait dans la poussière, en groupe là-bas. J'avais une soeur là. Elle, là, c'est la grande. Elle, c'est. Comment on dit ça? Ah. Là, c'est pourri maintenant, vers la fin. Niveau social différent, mais le monsieur a de belles valeurs. Anthony Van, le monsieur a de très belles valeurs. Elle n'a pas critiqué. Aujourd'hui, je suis. Bon, je vous ai dit, quand je fais une vidéo qui vous dérange, laissez comme ça. Vous n'êtes pas assez futé. Je fais une vidéo, ça peut vous déranger. Tu as dit, mais cette dame-là, je l'aimais. Mais aujourd'hui, ce qu'elle entend, je ne comprends pas. Pourquoi elle fait ça? Tu me laisses. Mais vous venez, vous mettez mauvais commentaires, je vous bloque. Maintenant, demain, tu vois ma vidéo sur une page là-bas où on fait mon atalakoum. Maintenant, tu veux venir. C'est là que vous venez maintenant les partir. Non, moi, j'aime commenter à mon vrai profil. Il faut me débloquer. Un an qu'à me débloquer. Où tu es resté dans le noir, tu vas rester là-bas. Oui, le direct s'était coupé. Le direct s'était coupé. Ça s'était coupé. C'était une mauvaise manipulation. Vous comprenez? Donc, c'est ça la réalité. La réalité, c'est que oui. Tu mangeais à table. Tu mangeais à table. On venait débarrasser devant toi. Mais le mari que tu as marié là, lui, il ne mange pas à table. Il ne mangeait pas à table. Il mangeait à la main. C'est comme à Dalois, nous, on mangeait à la main. Mais il y a une de mes soeurs là. Elle, c'est la grande. Elle, elle s'est bien partagée. Vous savez, parmi vous. Ok, je t'écris une box. Ok, je vais te répondre. Envoie-moi un coucou. WhatsApp. Oh, quelqu'un m'avait donné un conseil même. L'impacteuse, quand tu fais tes directs, mets ton numéro, c'est vrai. Oh la vache, j'avais oublié. Excusez-moi. Ok, je mets mon numéro là. Ouais, c'est vrai. Quelqu'un m'a dit ça, l'impact. 514-570-83-97. Ok, j'ai épinglé mon numéro. Ok, c'est mon numéro qui est là. Donc, c'est ça. J'ai mis désormais. Oui, merci beaucoup. Merci à toi qui m'avais dit ça. Elle m'a dit l'impact. Mets toujours ton numéro, merci. Donc, c'est ça. Une belle famille, c'est comme... J'ai dit que la mère qui t'a accouché peut être plus compliquée que ta belle-mère. Donc, pourquoi on va mépriser la belle-mère? On ne méprise pas la belle-mère. On respecte la belle-mère. Belle-mère compliquée. Même si tu es même belle-mère, insulte-moi. Je ne vais pas te répondre. Elle ne te répond jamais. Aïssa t'a répondu, elle a répondu à mon moment. Il ne te répond pas. Voilà. Donc, c'est ça. Vraiment, merci beaucoup, mes impactés. Désolé, le direct a été coupé, mais bon, on va le rattraper. Si je vais le mettre sur deux, comment on appelle ça? Je vais le mettre sur YouTube là tantôt.
Donc, c'est ça. Merci beaucoup. Il était intéressant. Il était près de 600 personnes à regarder ce petit direct-là. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Tu manges à la table du roi. Si tu as marié un homme qui n'a jamais mangé à la table du roi, mais qui te respecte, il faut le respecter. Pas à la table du roi. Il n'y a pas quelqu'un qui t'a vu qui a changé ton nom là-bas. Il n'y a pas quelqu'un qui a transformé le nom de ton père en lui-même son propre nom. Donc, tu le respectes. Merci. Sur ce, je vous aime, c'est l'impacteuse canadienne toujours. Et puis, ça chauffe pas. Ciao, ciao.